Bokertov, Pekoudé, mon cher Rabbeinu Alav Shalom, quand il a fini le travail du Mishkan, il est écrit que Vayavihu et Mishkan el Moshe. Rashi nous dit Shelo ayu yecholim, personne du Ham Israël était capable de monter le Mishkan et de le mettre dans sa dimension. Personne. Et où les fiches Moshe, quand il Akadosh Baruch Hu a dit de monter le Mishkan, il n'a rien fait. C'est Betzalel qui a fait, c'est Aholiav. Benachisamar, et c'est les autres. Et mon cher Benoît, il avait de la peine qu'il n'a pas pris part avec tout le monde pour faire le Mishkan. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, le Mishkan, c'est toi qui vas le monter. Quand les artistes, ils ont fini, les objets du Mishkan étaient tellement lourds qu'ils ne pouvaient pas les bouger. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait que Moshe le monte. Quand il les a amenés chez Moshe Rabbeinu, alors Moshe Rabbeinu leur a dit, pourquoi vous m'emmenez chez moi, le Mishkan? Il a dit, bah, parce qu'on était à 10, à 15, à 20. On n'arrivait pas à monter les poutres, c'était tellement lourd. Alors mon cher Benoît l'a dit, et vous pensez que c'est moi? Si vous, vous n'arrivez pas, vous pensez que moi, je pourrais moi le monter? Alors Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, c'est comme si tu attrapes la poutre et la poutre, elle montait d'elle-même. Mon cher Benoît mettait la main sur la poutre et la poutre se levait comme un aimant. Et mon cher Benoît le fait comme s'il lève et en fait, elle bouge d'elle-même et il la place. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a montré ici? Ou Kama Mishkan ou Kama Ela. Beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire des choses. De faire une ishtadlout dans la Parnassa. De faire quelque chose. C'est vrai, en réalité, nous, on ne fait rien du tout. Mais on a besoin de vouloir faire. Mon cher Rabbeinu avait une peine énorme qui n'a pas pris part dans la construction du Mishkan. Ça lui faisait de la peine, ça lui tenait à cœur. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Tu vas monter le Mishkan. Mais en réalité, il ne peut pas monter le Mishkan. Mais la volonté de vouloir monter le Mishkan l'a aidé que ça s'appelle, c'est lui qui a monté le Mishkan. Ou comme un Mishkan par Kadosh Baruch Hu. Mais Moshe Rabbeinu, il a été mekim le Mishkan du fait qu'il avait envie et à Kadosh Baruch Hu, il finissait la chose. Dans chaque chose qu'on fait dans la Avodat Hashem, ce n'est pas nous qui faisions. C'est Hashem qui nous aide à faire. Et malgré tout, ça s'appelle, c'est nous qui avons fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une envie de vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme que, on te dit, quand quelqu'un il fait une mitzvah, chashav la hazot mitzvah, même une pensée d'un homme de vouloir faire une mitzvah, même s'il n'avait pas fait la mitzvah, ma'ale alav Akadosh Baruch Hu ki lo asa. Si toi tu es parti avec ta volonté de faire la mitzvah, par exemple, un homme. Il a envie d'aller faire une tefila à la synagogue le matin. Il est parti, il a marché de chez lui, de la maison, pour aller à la synagogue 10 minutes. Il est arrivé à la synagogue, il n'y avait pas minyan. Bon, il a dû faire cette tefila seul. Et bien après 120 ans, il verra qu'il a prié Beminyan. Pourquoi? Toi, tu as fait tout ce qu'on t'a demandé pour aller le faire. À Kadosh Baruch Hu, il considère que tu l'as fait. Quelqu'un, il a voulu faire une mitzvah, et quand il est arrivé, il a eu une petite chose à faire. C'est sa mitzvah. Mon cher Rabbeinu, il a été mekim le Mishkan, même qu'à Kadosh Baruch Hu, il a aidé. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Que toi, tu vas jusqu'au bout, tu essayes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Des fois, on voit des mitzvot grandes, compliquées, et on se dit, qu'est-ce que je vais rentrer là-dedans? Je ne pourrai pas finir. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle te dit, n'aie pas peur de la dimension de la mitzvah et dire, je ne vais pas la faire parce qu'elle est trop grande. Parce que ce n'est pas toi qui vas finir. À Kadosh Baruch Hu, il a les gens qui vont venir t'aider. Pour finir, lui, il va t'aider pour finir. Mais c'est pas parce que tu dis que de toute façon, c'est pas toi qui vas finir, tu vas avoir un prétexte de ne pas vouloir la faire. C'est-à-dire, ils sont venus chez mon cher Abenou. Imaginez-vous 20-30 personnes qui portent le Mishkan, ils vont, ils le posent devant la tente de Moshe et ils n'en arrivent pas à le faire monter. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Ah, vous n'arrivez pas? Mais moi aussi, je vais essayer. Si Hachem nous a donné l'ordre de le faire, c'est-à-dire qu'on peut le faire. Et quand Moshe s'approche, il touche la poutre elle se lève.
C'est-à-dire que qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a voulu? Que tu essayes, que tu mets ta main. De voir une grande mitzvah, ce n'est pas un prétexte de se sauver de la mitzvah. Essaye. Tu ne sais pas. Kadosh Baruch Hu, peut-être il va t'aider à toi. Peut-être c'est toi qui dois faire cette mitzvah. Kadosh Baruch Hu, il a envie que toi, toi, c'est toi le seul qui va la faire. Donc il a fait tout pour que ça arrive chez toi. Ça, ça nous montre la motivation de faire une mitzvah. Ne pas avoir peur. Ne pas répondre les réponses du etc. Ah, je ne pourrais pas, c'est trop compliqué, c'est trop fatigant, je n'ai pas essayé, je n'ai pas m'aventuré, je n'ai pas commencé à avoir un échec. Non, Akadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarak te dit, essaye, approche-toi, fais, et bien ça, Hashem, tu pourras faire et finir. Et la mitzvah elle sera appelée sur ton nom, comme Moshe Rabbeinu, Alav Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen.